Bonjour, cette vidéo est une vidéo témoignage suite à la participation au stage de danse de l'être, reconnexion à son être de lumière. Merci tout d'abord et vraiment gratitude à Fabienne Courmont et aussi à toutes ses acolytes, ses collaboratrices merveilleuses, Sabrina, Madeline et Viviane Marie. En partant, je sentais à la fois de la confiance, de la légèreté, de la tendresse pour mon être et aussi de l'efficacité, notamment par rapport à ce que je vis en ce moment, de ce passage, cette traversée pas toujours confortable dans la recherche d'emploi et de ce changement professionnel. Mais après 3 jours d'intégration, j'ai pu prendre du recul et ressentir, goûter tout le nectar vécu de ces quelques jours. J'ai envie de vous les partager en 3 mots, 3 vécus importants. Le premier, c'est l'essence. Le deuxième, c'est la reliance. Et le troisième, c'est la beauté. Pour l'essence, j'ai envie de parler de l'être profond, de l'être subtil, de cette âme qui est incarnée dans ce monde et avec qui je n'étais pas toujours en accord ou en distorsion ou en pression ou dans une espèce de chaos. Et dans cette danse de l'être, dans ce stage, j'ai pu me reconnecter pleinement à mon essence. Pleinement, ça veut dire un grand oui, dire un amen, profondément en incluant toutes ces parties d'ombre et de lumière. J'ai pu le vivre dans mon corps, notamment par cette pédagogie qu'insuffle Fabienne pas à pas, avec beaucoup de délicatesse, mais avec beaucoup aussi d'intensité, qui permet d'accepter, en tout cas d'accueillir dans un premier temps, et pour moi, ça a été d'accepter mon incarnation pleine. J'ai senti beaucoup d'énergie, notamment dans la danse des 4 éléments, et notamment dans la danse aussi du buteau de la lumière. J'ai senti cette essence de mon être profond se verticaliser en même temps qu'il s'étoffait, en même temps qu'il se libérait. C'est vrai que c'est un peu comme une danse thérapie, comme une danse qui permet une réharmonisation, comme une danse qui permet de se libérer. Ça, c'est la premier vécu. Le deuxième, c'est la reliance. Qui dit essence, dit reliance à son être, oui, mais en même temps, il y a l'horizontalité. C'est la reliance aux autres êtres vivants. Grâce à cette pédagogie particulière de cette danse dans la nature, de cette danse reliée à tous les êtres vivants, c'est-à-dire tous les participants et les participantes, et nous étions une petite trentaine, j'ai senti une connexion, une reliance quasiment instantanée, quasiment évidente. Pour moi, c'est que du bonheur. C'est une vraie communion, non pas au sens OK, je vais participer avec d'autres et je vais vivre une forme de communication sympathique. Non, ça a été beaucoup plus profond. Pour moi, c'était une communication fraternelle, une communication aussi en sororité, de cœur à cœur. De corps à corps, puisqu'il y a eu des danses parfois à deux, des danses à plusieurs. Ça a été mon deuxième vécu. Et le troisième vécu, c'est ce mot qui va l'exprimer le mieux, c'est la beauté. La danse a toujours été chez moi mon moyen d'expression préféré, favori et plus fluide, plus simple. Parce que j'avais du mal à m'exprimer par la parole. Et aujourd'hui, je dirais que c'est
aussi par la danse que je peux vibrer mon essence, c'est-à-dire pas seulement prendre ma place au monde, mais pouvoir vibrer, vivre cette vie qui m'est donnée, reliée bien sûr au divin, reliée à ma source. Et quoi de mieux, par quel média meilleur, eh bien que par la danse et par ce corps qui m'est donné, pour l'exprimer, pour exprimer cette vie au monde, mais aussi être ce trait d'union entre le ciel et la terre, et pouvoir, par mon être qui danse, pouvoir montrer cette beauté de l'amour, pouvoir être témoin pour d'autres, avec d'autres, pouvoir aussi peut-être guérir, apaiser, avec des gestes tellement au ralenti qui permettent aussi de prendre conscience pour soi-même et pour d'autres que nous sommes ici sur Terre pour vivre la beauté de l'amour et se réconcilier définitivement avec notre souveraineté d'être libre et aussi cette reliance à notre divin, à notre source lumineuse qui sans cesse, éternellement, nous donne cet amour qui pulse dans nos veines, qui pulse dans nos corps. Un tout, tout grand merci Fabienne d'avoir été le chef d'orchestre pour nous permettre de vivre cela, en tout cas pour moi, cette essence, cette reliance et cette beauté dans mon être profond, dans mon corps. Et c'est un moment hors du temps, un moment suspendu, mais un moment tellement précieux qui est gravé dans mes cellules et qui me donne l'impulsion de poursuivre mon chemin aussi pour contribuer à cette que cette humanité se lève vers sa lumière et évolue et grandisse toujours plus vers ce qui est juste et bon. Merci. Et merci aussi à mes frères et sœurs d'avoir été présents, d'être qui ils sont.